Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, moment très important sur la chaîne puisque pour la première fois, je vais évoquer un film d'Afrique subsaharienne, même qu'il s'agit très certainement pour moi d'une découverte consciente du cinéma de ces contrées-là. Il va être question de Yélène, la lumière, c'est ça le titre français si vous voulez traduire ce mot de la langue bambara malienne, je crois. Réalisé par Souleymane Cissé, une œuvre capitale pour le cinéma africain, puisque ce fut donc la première à recevoir une distinction au Festival de Cannes. Et si je m'intéresse donc à ce métrage, c'est que, par exemple, l'ami Artopolis, il y a presque 2 ans, l'avait mis en avant sur sa chaîne. Je pense que je mettrai un commentaire épinglé, voire un lien en description. Et que depuis, donc, il me l'a conseillé. Et enfin, j'ai pu le découvrir. Je crois qu'en 2021, il avait été présenté à certains festivals, en mode remasterisé, etc. Yélène, donc, qui est un drame familial, bercé de tragédies mythiques, mythologiques locales, et de fantastiques, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Nyanankoro, qui visiblement doit poursuivre son destin et fuir l'arrivée d'un père qu'il n'a jamais connu, qui l'a renié avant sa naissance. Ce père cherche à tuer son fils, qui serait pour lui une sorte de menace pour une sorte d'ordre donc qui s'appelle le Komo, mais aussi pour lui-même, parce que ce père, qui semble très avide de pouvoir, semble avoir abusé de celui-ci, et a vu en son fils sa probable future perte. Donc il essaye de contrer cela, et donc le paternel, qui s'appelle Soma, semble très puissant au niveau de la magie, c'est une sorte de sorcier, et il a l'air aussi très perspicace et fera tout pour retrouver un fils qui se cherche un peu, forcément. À un moment, on le voit discuter avec sa mère, il essaye d'en savoir plus sur sa conception, sur cette haine du père, et donc Nyanankoro, il va partir en rite initiatique, si vous voulez, d'une certaine manière, rencontrer le peuple Peul, puisque lui, il vient du peuple Bambara. Et il va vivre beaucoup d'aventures, rencontrer une femme, et à un moment, il va devoir forcément faire face au père et apprendre plus sur lui-même, tout en construisant sa propre légende, si vous voulez. Et c'est un film très important, parce que, personnellement, là, en le regardant, je l'ai fini il y a quelques minutes, j'ai voyagé comme jamais, dans un sens où je découvre toute une culture, plusieurs peuples, puisqu'il y a 2 peuples maliens qui sont convoqués ici. Alors certes, j'avais vu des documentaires, j'ai lu des choses, j'ai vu aussi des films historiques, hein, mais rien ne peut remplacer une telle expérience. C'est ça qu'il faut retenir de prime abord avec ce cinéma-là que je viens de découvrir, c'est que ça vous permet un magnifique dépaysement, de vous immerger dans une autre culture, et il faut se laisser porter, pas chercher à tout comprendre dans l'absolu, d'autant plus que c'est pas si complexe. On voit ici une trame mythologique assez habituelle, avec un côté presque shakespearien, mais toutes les mythologies du monde finissent par s'englober autour d'histoires en commun. Et là, l'histoire du fils qui veut s'émanciper quelque part du père, et le père qui veut tuer le fils. Parfois c'est l'inverse, c'est le fils qui veut tuer le père, mais là c'est le père qui veut tuer le fils. Et donc, il va découvrir aussi l'importance capitale qu'il peut avoir pour son peuple, et avec des prophéties, etc. Mais l'important, c'est le voyage, là, parce que Souleymane Cissé, et je pense qu'il avait en tête cela, il a fait ce film de façon universelle, il a voulu mettre en avant la beauté de son pays, et imprégner l'œil du spectateur tout en lui racontant cette histoire. On a un véritable conte africain ici qui prend racine sur les lieux, les décors, sur les visages aussi, les relations humaines. Et on ne peut être que subjugué et aussi touché par certaines tragédies qui se mettent en place. Niveau visuel, c'est parfait sur l'esthétisme, la photographie, tout cela. On voit beaucoup de couchers de soleil, enfin du moins soleil qui rougeoie dans le ciel. Le désert, même à un moment, une sorte de rivière asséchée. Donc ça permet aussi une réflexion écologique sur l'Afrique et comment les peuples là-bas survivent ou non selon la sécheresse. On voit un peu cela. Hein. Bien sûr, des moments aussi dans les villages, les traditions, les rivalités entre peuples.
Aussi la façon de filmer les corps, les rites autour de ça aussi, un peu guerrier. C'est magnifique. Il y a un choix donc de cadre parfait là-dessus qui met en valeur les donc localités, la nature. C'est assez épuré sur certains plans et pourtant par moments on va vraiment dans la magie. Et j'adore la façon dont c'est traité. Presque de façon amateur, alors c'est pas attention, pas négatif ce que je lis. Ça pourrait presque être drôle à certains moments quand on voit par exemple, je crois qu'il y a un oncle qui débarque aussi, qui fait face au roi Peul et on voit qu'il met en place sa magie, ça fait bizarre, mais quelque part on comprend l'idée aussi. Il y a certains moments, ça prend aux tripes, notamment vers la fin, j'en dis pas plus, avec le fameux pilon magique et un autre élément important. Du folklore Bambara. Et à la fin, on ne peut être que profondément ému par cette destinée qui s'écrit sous nos yeux. Et c'est limpide, hein, là aussi, dans le sens où le film s'ouvre sur un enfant. D'ailleurs, c'est terrible parce que, premier plan, tout ça, on voit cet enfant dénudé marcher vers quelqu'un, etc. Ça va vous rappeler forcément Kirikou si vous l'avez vu, puisque Michel Oslo s'inspire de contes africains. Mais très vite, on va ailleurs. Voilà, clairement. Et puis, le film se termine aussi sur un enfant. Est-ce le même ou pas? Alors là, je vous laisse à vos propres interprétations. Surtout sur cette finalité. D'ailleurs, cette première scène, surtout, qui revient à peu près au milieu-fin du film aussi, est très mystérieuse par rapport au déroulement du film, mais peut avoir une résonance sur sa finalité. Et évidemment, c'est un film sur la transmission aussi, parce que sur l'héritage et sur l'histoire du peuple africain, alors ici malien, alors je crois que c'est bien les Bambara, hein, j'ai peur de dire des bêtises, hein, corrigez-moi en commentaire si c'est le cas, parce que j'ai pas forcément tous les détails sous les yeux, je peux bugger. Donc il y a cette histoire comme quoi à un moment il y a une prophétie qui annonce la tragédie, l'esclavage du peuple. Donc si le déroulé semble être dans une époque incertaine, on comprend à un moment du film que c'est probablement 17, maximum début 18e siècle, avant la traite des esclaves. Et qu'on voit qu'ici, clairement, Souleymane Cissé, à travers ce conte, cette mythologie, questionne aussi l'histoire, le destin de son peuple. Et donc l'histoire de la famille de Nyanyankoro, peut-être lui seul pourra, avec sa descendance, permettre la libération du peuple qui sera mis en esclavage entre-temps, etc. Enfin, c'est peut-être plus subtil que cela, mais l'idée est là. Et donc, on sent l'importance de ce jeune homme et de ce qu'il pourra laisser en héritage. Et à un moment, justement, cette résonance est là, hein, père et fils, mais aussi lui-même va-t-il devenir père? La question de l'héritage et de la transmission, la question aussi de ce qu'on fait des pouvoirs que les dieux ont pu confier donc ici là au père Soma qui en a fait n'importe quoi et cet abus-là fait que peut-être ça va affaiblir ce peuple-là qui plus tard se fera plus facilement avoir par l'esclavage. Il y a aussi ce propos-là qui est très dur, hein, c'est très cruel, mais il y a cette idée. Franchement, donc c'est un film qui questionne beaucoup de choses et qui montre énormément d'aspects donc de cet endroit de l'Afrique, donc qui est le Mali. Qui peut être, je pense, mise en parallèle avec d'autres pays autour. Hein. D'ailleurs, il s'agit d'une coproduction avec le Burkina Faso. Il y a aussi la France qui a participé, notamment au niveau du montage et pour la composition de certains thèmes musicaux, et peut-être pour aider la distribution aussi. Et vraiment, voilà, c'est un film qu'il faut voir, il faut découvrir, qui va vraiment vous faire entrer dans un autre univers. Et c'est là où je me dis, mais comment cela se fait que ce genre de cinéma ne soit pas plus mis en avant? Vu la richesse que ça propose le savoir-faire, je suis persuadé qu'il y a d'autres films, plus ou moins du genre, pas forcément en rentrant dans le fantastique, hein, qui sont exceptionnels à découvrir aussi. N'hésitez pas à proposer en commentaire d'ailleurs des films à peu près équivalents à Yélène, peut-être d'autres films de Souleymane Cissé d'ailleurs, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Voilà, ça fait du bien, et c'est ça aussi la force du cinéma, mais ça ne dépend que de nous, de notre curiosité. C'est que quand on va voir ailleurs, ça nous permet de voir d'autres choses. Et c'est aussi ça qu'il faut qu'on fasse, nous, en tant que spectateurs, avec notre curiosité, c'est se permettre de l'intérêt global, et je parle de la globale dans le sens du globe, de la Terre, vers d'autres cinémas pour découvrir certaines histoires, voir d'autres peuples, et nous permettre de voyager de façon ici
indirect, mais peut-être un jour prendre vraiment soi-même sa valise, son baluchon, et aller visiter ces pays-là et aller au contact. Et là, je pense à Sans Soleil de Chris Barker, je ne sais pas pourquoi. Si vous voyez un petit peu de quoi je veux parler sur quelques images, hein, je crois que c'est Guinée-Bissau, mais l'idée est là. Bref, Yélène, c'est un film assez marquant qui va vous marquer la rétine, mais aussi l'esprit, et que je vous invite à découvrir. Alors moi, personnellement, j'ai pu avoir une copie à ma médiathèque, alors je ne sais pas si c'est facile de l'avoir partout. Ce qui est certain, c'est que oui, foncez si vous tombez dessus. Et allez voir aussi la vidéo de l'ami Artopolis. Et on en parle en commentaire. C'est très important, hein, de faire vivre cette vidéo, qui sera très certainement peu vue, en discutant donc ensemble, ci-dessous. Voilà. Je vous dis à la prochaine, Charles.